Bonjour à tous, ici Cléa Sim. On se retrouve pour ce 13e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP, saison 2. Et on s'était laissé dans le dernier épisode, vous connaissez maintenant, hein, les rébellions. Il va falloir encore nettoyer tout ça et on n'est pas prêt de terminer, parce qu'à chaque fois qu'il y a une rébellion qui se termine, une nouvelle se déclare. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que les territoires se nettoient petit à petit. Donc il arrivera un moment où les rébellions, on n'en aura plus trop grand chose à faire. Mais bon, quand il y a 72% de révolte aussi dans certaines provinces, c'est un petit peu plus compliqué de faire sans. Ok, ça c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, c'est des pertes, mais ok, on fait avec. Ici, du côté de Karakoum, on va essayer d'augmenter un petit peu la croissance de population, ce serait pas mal ça. La piété, ouais, on va monter avec la croissance de population, ça m'arrangerait que la population monte un petit peu plus. Et déjà, on a une modificateur de 16% d'augmentation de la population et modificateur de terres occupées, moins 12%. Donc pour l'instant, on reste encore en positif, ce qui est plutôt pas mal, mais on gagne pas beaucoup. Donc il va falloir continuer. Puis on a nos armées ici qui arrivent encore pour faire le ménage. Donc j'espère que ça va plutôt bien se passer de ce côté-ci. C'est jamais bien évident de toute façon, mais faut prendre les bonus un petit peu comme ils viennent. Allez, une bataille. Bon, mon allié veut pas venir du tout, ça c'est pénible. Mais pas vraiment le choix pour l'instant. Ah, 82%. Bah oui, fais la paix. Enfin, appuie les exigences. Moi ça me va. Ok, tu m'insultes en plus. Très bien. Je prends note, je prends note. Va sur Bamiyan. C'est ici Bamiyan. Encore des territoires, bon, encore des sunnites qui se soulèvent. Je pense que les sunnites, on n'est plus à ça près. Hein. De toute façon, en gagnant du score de bataille, on va pouvoir augmenter petit à petit. Et puis ça finira un moment par ne plus se révolter. Hein. Donc c'est surtout ce qu'il faut se dire. Tiens, toi, on va appuyer de ce côté-ci, c'est très bien. Ça c'est quoi? C'est des révoltés, ok. Je regarde un petit peu les territoires par qui ils sont pris, comme ça je peux les libérer. Ce serait plutôt pas mal. Et puis moi j'en profite. D'accord, ils vont me rattaquer, j'ai rien fait, c'est pas moi. Le 8 mars, c'est moi le 12. Est-ce que je peux fuir avant? Le 9. Et est-ce que j'aurais pas la possibilité de mettre quelqu'un qui aurait organisateur mettre ça dans mes titres personnels. Ah, j'ai pas de cheval de guerre en plus. Un cheval de guerre. Appel dragon, ciel. Est-ce que j'ai quelque chose de courageux? Ça pourrait être pas mal. Dragon, j'aime bien. Ok, mais c'est pas ce que je voulais regarder en fait. Pour le coup, c'était changer des titres. Est-ce que je peux arranger un mariage? Non. Où est-ce qu'ils sont disponibles maintenant les titres? Je sais plus du tout où sont les titres. Alors je vais chercher dans ma cour quelqu'un qui est courageux. Pas courageux, organisateur. Voilà, genre mon fils. Et est-ce que toi je pourrais t'accorder un titre honorifique, celui de... Chevalier européen, ceux qui sont visiblement distingués au combat. D'accord. Ouais, mais j'aimerais le mettre en tant que général, cet homme-là.
Et je peux pas pour l'instant. Ce qui m'arrange pas. On va voir si on arrive à remporter. Le problème, c'est que ça, c'est une armée sainte. Donc, ça pose un petit peu des problèmes, les armées saintes. Ok, bon, on va pouvoir piller certains territoires. Ah oui, c'est vrai que c'est la longue liste, la fameuse. Bon, ce qui est pas mal, c'est que les armées quand même sont plus aussi grosses qu'avant. Enfin, après, elles se regroupent, hein, mais on arrive quand même à faire en sorte que des armées soient plus aussi importantes. C'est plus des armées de 10 000 quand même, c'est des armées de 4 000. Bon, c'est quand même pas mal. Mais on arrive à faire face. Et comme on donne des territoires aux autres clans, ils commencent aussi à pouvoir être importants et à pouvoir nettoyer. Donc là, bon, c'est un peu compliqué au début, mais je pense que par la suite, on pourra vraiment se permettre d'avancer de façon importante. Ah, bon sang, ce château qui veut pas tomber là, ça m'arrangerait. Alors, ici aussi. Ok, on enlève quand même certains bâtiments, ce qui est pas trop mal. Même si on n'enlève pas tout, au moins on arrive même à piller des territoires avant qu'ils soient siégés, ce qui est plutôt pas inintéressant. Ok. Ah, et j'ai gagné. Alors, de ce côté-ci, ben, on va augmenter notre cavalerie. Ben, juste à temps. Une cavalerie plus puissante, c'est ce qu'il me faut. Et j'espère qu'elle va tenir, cette cavalerie. Le problème, c'est que j'ai aussi de l'infanterie dedans, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, on va essayer avec. Tiens, une nouvelle libération de Kiva, très bien. Ici, infrastructure du château, ce sera très bien. Ok, bah je peux piller juste ici, je vais piller. Hein. On a zéro risque de révolte. Autant en profiter. Et là, est-ce que mon armée augmente? Pas vraiment. Donc, bon, d'accord. Oui. On va s'en occuper de cette armée-là. Si on peut la détruire, ça serait bien. De ce côté-ci, ça se nettoie petit à petit. Ok. Nettoyage par le vide. Donc ça devrait pouvoir aussi se piller théoriquement, ça, non? Ou ça a déjà été pillé? Ça a déjà été pillé, ok. Et cette bataille-là, eh ben, elle se passe pas très bien, forcément. Ouais. Ils ont une meilleure armée que nous pour le moment. Et ils ont beaucoup plus de cavalerie que nous, hein, donc ça aide pas. Ouais, ça nous a fait perdre énormément d'armées aussi, au passage. Oui, mais non, mais ça, ça va, non? Bien. Ah, faut vraiment que j'amène mon armée de 6 000 hommes. Le problème, c'est qu'il faut que lui faire traverser un peu tout le territoire pour arriver, qu'elle vienne nous aider, donc c'est un peu le problème. Alors. Allez, plus qu'un! Il reste plus que l'armurerie. Bon, pourquoi pas. Bon, en pillant, on les aide un petit peu, hein, mais bon, j'ai un nouvel ami, pourquoi pas.
Ce qui me gêne, c'est qu'on peut pas gagner, pas avec une armée de 10 000 qui traîne dans le coin, quoi. C'est pas possible. Faut arriver à les écraser. Ce qui est un peu problématique. Ça va être très compliqué, même. Ah, zut. Non, faut vraiment que je m'attaque à eux. J'ai pas vraiment. J'ai pas le choix. Si, j'ai le choix. On va faire comme ça. On va faire venir cette armée-là. Et puis, on va s'en occuper ensuite. Tiens. Voilà, comme ça. On va piller ici aussi. Oh, c'est pas très grave. Ok, déjà, ceux-là, ils auront pas fait longtemps. Et on va même pouvoir appuyer les exigences. Très bien. Ça fera des armées en moins sur mon territoire. Ok, on va pas les laisser trop s'aventurer non plus sur mes territoires. Ok, j'ai des rebelles ici qui juste sur moi, bah ça va me permettre de gagner 61 scores de guerre. Très bien, on va pouvoir appuyer les exigences. Et je vais ramener toutes mes armées de ce côté-ci et puis on va prendre le territoire parce que la guerre dure depuis un petit peu trop longtemps et ça commence à m'embêter. Et eux, ils vont du quel côté? Du côté de Birgende. J'ai cette armée qui vient ici, donc très bien. On va essayer d'attraper cette armée de 5 000 hommes là, de 5 000 sunnites. Bon, une bataille de terminée, tant pis. On n'aura pas pu la gagner cette guerre, elle aura fini avant, mais au moins on sait comment s'y prendre de toute façon. Le tout, c'est qu'il faut vraiment enlever ces rébellions. Et bon, c'est vrai que c'est pas en pillant que j'améliore les choses. Qu'on soit bien clair. Mais faut voir ça sur le long terme. Parce que j'ai trop de territoires en fait. Qui ne sont pas bons pour un nomade. Regardez ça là, qui est pas encore fini d'être détruit. C'est rageant. On a juste dire c'est une petite ville quoi. C'est rien du tout. Bon, c'est fortifié, d'accord. Mais on pourrait y brûler. Mais non, bon. Alors. Bon. Une fois que ces rébellions seront faites, seront détruites, je pourrai vraiment m'occuper des rebelles. Déjà, voilà, on les refait passer à 0%. Moi, ça me va. Je vais m'occuper d'eux aussi là-bas. Libération d'Afghanistan. Oui, bah ils sont pas tombés tout à fait au bon endroit, la libération de l'Afghanistan. Sans vouloir être méchant, ils vont pas libérer grand-chose. Voilà. Ils vont même donner leur or. C'est pour dire s'ils sont gentils. Voilà. Est-ce que je peux baisser l'armée de mes vassaux temporairement? Parce que j'en ai pas spécifiquement besoin. C'est pas 1 500 hommes qui vont renverser la vapeur. Techniquement. Et je vais ramener ces armées du côté peut-être de Kimak pour récupérer ces territoires-là. On verra pour attaquer les Koumans aussi par la suite, mais pour l'instant il me faut des territoires supplémentaires pour gagner de la population, gagner des armées, parce que c'est assez important. Voilà, si j'attrape cette armée-là déjà, ça sera beaucoup mieux. Ça me permettra de libérer un petit peu le territoire. Voilà, 14%. Ok, 22%. Ça, on n'a jamais été aussi haut. Ok. Alors, on va réussir à le piller celui-là maintenant. Voilà, il n'y a plus rien. Ça, c'est bien. Donc, ça, un souci en moins. Ah, mais il y a une longue liste là? Ah oui, il y a la longue liste. C'est forcément. Bah oui, c'est tous les mois, hein, donc forcément.
Parce qu'on en a, hein, des... Là, il y a toute la longue liste de territoires ici à faire tomber. Je pense que vous pouvez même vous amuser si vous voulez avoir le nombre de territoires qui sont vraiment totalement rasés par épisode. Je pense que ça peut faire un peu running gag. Même si malheureusement les territoires sont quand même bien avancés. Donc ça va être long. Allez, on arrive au bout. Enfin, au bout, oui, si. Vu qu'on pille plusieurs territoires à la fois. Alors, le problème, c'est que plus on en pille, je sais pas combien de territoires sont enlevés exactement à chaque fois. Je crois que c'est deux ou trois seulement. Et quand vous avez 6 six villes, ou enfin 6 baronnies, pardon, qui sont occupées, c'est un peu plus gênant, parce qu'il y a, que un qui est pillé, je crois. Donc, c'est pour ça que j'essaye au moins d'en éliminer, dès que je peux, au moins un. Et bon, c'est jamais bien évident, comme vous pouvez le voir. Après, dès que j'aurai plus de guerre, ouais, je vais vite créer un nouveau clan pour lui donner les territoires que je veux. Ça calmera mes autres clans qui pourront plus dire je suis trop puissant. C'est surtout ça l'intérêt. Alors je fais pas de bataille, hein, j'essaie juste d'éliminer les territoires parce que de toute façon les batailles là ne me servent pas à grand chose. Il faut juste passer à 40%. Tiens, une nouvelle révolte. Elle est où cette nouvelle révolte d'ailleurs? Bah elle est juste là. Très bien. On va pouvoir aller s'en occuper. Ok, ça c'est bien. 54%. Celle-là, ça fera une de moins. Allez, si j'arrive à remporter celle-là. J'étais sur le point de laisser Dragon près du point d'eau quand le cheval de Chiragul s'est approché et l'a mordu. Je fais tuer cet animal ou c'est un autre point d'eau qui est plus approprié? Bah non, franchement, mon cheval c'est le meilleur. J'ai pas peur de mon adversaire, je suis courageux quand même. Faut pas l'oublier. Donc hors de question de laisser quelqu'un d'autre faire du mal à mon cheval. Ah, il y a encore une révolte persane cette fois-ci. Donc on va envoyer de quoi s'en occuper. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien aussi. Allez encore. Voilà, 21%. Et on va remonter mes armées par là-bas. Qu'est-ce que je peux piller cette fois-ci? Ici. Ah, bien, un comté qui se nettoie. Voilà, ça aussi, ça fait plaisir. Au moins, ça fera deux de plus qui seront... Enfin, un territoire de plus qui sera complètement nettoyé. Ça, c'est bien. Oui, d'accord, cette rébellion, j'ai rien pouvoir en faire pour l'instant. C'est bien d'apparaître juste là où je suis en train de faire la guerre, ça m'arrange. 47%, bah voilà. Celle-là, au moins. Ah non, il veut pas pour l'instant. Très bien. Bah je vais juste essayer de finir un petit peu cette bataille-là. Comme ça, on pourra éliminer certaines... Ouais,
Voilà, je vais essayer d'en éliminer le maximum, 44%, 71%. On va voir si on peut les annuler. Voilà, ça c'est bien. Ça m'arrange. Donc on va même se laisser, je pense, sur ce territoire. Comme ça, je créerai le clan avec vous. Ce sera cette fin d'épisode. Ce sera peut-être le moment le plus intéressant. Ah, bien, plein de plaies blanches. Donc je vais pas piller tout de suite des territoires. Je vais attendre que la bataille se termine. Alors, par contre, ils sont là. Ok. Donc ils veulent poser des problèmes. On va monter certaines armées par ici. Ça dépasse un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Ça sera juste pour moi au montage où ça va me gêner un peu plus. Mais j'aimerais au moins terminer sur une bonne note. C'est vraiment stopper les rébellions, qu'il n'y en ait plus du tout. Créer mon clan supplémentaire là. Et comme ça, ça sera bon. Allez, ça sera bon. Ok, bien, 100%, on va pouvoir appuyer tout de suite. Comme ça s'est réglé. Je vais pouvoir regrouper ces armées-là tout ensemble de ce côté, du côté de Bolgar. Ça pourrait être très bien pour prendre des territoires. Et j'espère qu'il va y avoir assez. Ici, j'aurai juste à prendre ce territoire-là et normalement ça sera bon. On va pouvoir remporter la victoire. Nouvelle révolte. Alors, s'ils prennent pas de territoire, ça devrait le faire. Allez, on va essayer comme ça. Normalement, si j'ai pas de territoire occupé, je pourrais scinder le clan. Donc ça, c'est pas mal. Ok, très bien. Ok, ça c'est fait. Clan. Voilà, ça c'est fait. On n'a plus de territoire occupé. Donc on va pouvoir scinder le clan, enfin. Et donc, alors, les territoires à donner. Bon, on va commencer par Chagai. Et on donnera les alentours. Donc, scinder le clan, on peut. Et donc, j'ai dit Chagai, si je me trompe pas. Donc, on va essayer de trouver Chagai. Chagai. Comme ça fera des territoires en moins pour moi. Voilà, Chagai. Ok. Donc on a un nouveau clan qui est créé. Voilà, le clan des Borjigin. Non, c'est Mengu Timur, pardon. Donc, très bien. On a donc Kalat à lui donner. Et Kalat, ça sera déjà pas mal. Qu'est-ce que j'ai mieux? Non, Kalat, ça commencera bien. Et je crois qu'il y a peut-être un territoire par ici qui est vierge ou pas loin. Bon, on va déjà lui donner Kalat. Alors, va falloir le trouver dans toute ma liste de territoires. Kalat. Kalat, voilà. Ça c'est fait. Comme ça, déjà, mes autres clans vont moins me détester. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils m'aiment même plutôt pas mal. Donc ça c'est très très bien. Et c'est là-dessus que l'on va se laisser. Je vais juste vérifier quelque chose. L'armée de cet homme-là, il a 2000 hommes, d'accord. Voilà. Donc c'est sur cette création de clan qu'on va se laisser, épisode vraiment plus long que d'habitude, mais bon, il en faut un petit peu. Moi je pillerai tous les territoires pendant l'inter-épisode, c'est pas le plus gênant. Et on se retrouve dans le prochain, d'ici là, portez-vous bien, salut!